Si tu es persuadé d'avoir raté le train sur le marché crypto et que tu penses que le bull run n'aura pas lieu, regarde bien cette vidéo car je vais t'expliquer pourquoi non seulement le bull run n'a pas encore eu lieu, mais pourquoi celui-ci va être légendaire. On voit ça tout de suite, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Car oui, je sais que vous êtes passionné la team et ça fait tellement plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui encore une fois j'espère va vous envoyer de l'opium. Alors avant d'attaquer directement dans le vif du sujet, n'oublie jamais que je ne suis pas conseiller financier, je ne donne aucun conseil en investissement sur ma chaîne ou sur mes réseaux. Tu dois toujours faire tes propres recherches et bien sûr rester maître de tes fonds. Et j'en profite immédiatement pour remercier le partenaire de ma chaîne qui est le site d'actualité gratuit cryptonews.com. Sur ce site, tu vas retrouver tous les jours des articles sur l'actualité crypto, que ce soit sur l'écosystème Bitcoin, Ether, Solana. Et tu vas même retrouver énormément d'infos sur les meme coins et les tendances du marché. Sur CryptoNews, ils ont également leur propre système de lancement de meme coins avec des tutos, des guides explicatifs. Comme ça, tu peux arriver, regarder sur le site ce qui t'intéresse et t'informer des différents projets qu'ils lancent. Après, que tu sois débutant ou expert, et bien sur ce site, tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Donc vraiment, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je te mets le lien dans la description et on enchaîne. Donc déjà, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien installé? T'as pris ton petit calepin pour noter? T'as le petit coca ou la petite binouze pour les bros de la Belgique? Hein? Petit clin d'œil et big up à eux. Eh bien oui, parce que ma bullish attitude et mon euphorie, elle n'est pas là par hasard. Parce que vraiment, les éléments que je vais te donner dans cette vidéo, personnellement, c'est des choses que historiquement, on n'a jamais eu sur le Bitcoin. Et c'est pour ça que je me dis, mais comment c'est possible que les gens ne soient pas bullish avec tout ce qui nous arrive cette année en 2024? D'ailleurs, je t'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne où je t'explique un petit peu pourquoi moi, je continue d'acheter du Bitcoin et pourquoi j'en accumule régulièrement comme ça. Vraiment, hésite pas à aller la voir, tu vas voir, tu vas kiffer. Et d'ailleurs, si tu kiffes prendre ta petite dose d'opium, ton petit shoot d'adrénaline comme ça, bah cherche pas, arrête de sauter en parachute. Eh ben non, tu viens t'abonner à la chaîne. Eh bah oui, forcément, c'est totalement gratuit. Tu mets la petite cloche, le pouce bleu, tout ce qui va bien. Et tu kiffes, je te fais 2-3 vidéos par semaine comme ça. Ça t'envoie de l'opium en barre. Et on est bien tous ensemble. D'ailleurs, j'ai une communauté qui est incroyable. Donc, hésite pas à la rejoindre également sur Telegram, X, Discord. Bref, tu as tous les liens en description. Je t'attends et on va kiffer tous ensemble ce cycle et ce marché haussier qui arrive, mais qui arrive très fortement. Alors, pourquoi je te dis qu'il arrive? Alors déjà, si tu vivais dans une grotte sur les derniers mois, déjà, sache une chose. Là, on vient d'avoir en début d'année les ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés par la SEC. Rien que cette info, comment tu veux pas être bullish? Faut savoir quand même une chose, c'est que quand les ETF sont arrivés sur le marché du gold, sur le marché de l'or, eh bien, l'or a connu une croissance, un cycle haussier de plus de 10 ans. Je ne sais pas si tu t'imagines. Alors peut-être qu'on n'aura pas forcément la même équivalence sur Bitcoin. Quelque part, un ETF, c'est pas anodin. Je te rappelle quand même qu'il y a 2-3 ans en arrière, on disait que Bitcoin, c'était un scam. Bitcoin, c'était fait pour financer le terrorisme, ça polluait. Bref, tu sais, tous les poncifs de merde que les gens qui connaissent rien, ils imaginent. Des bêtes, je te jure. Les couilles m'en font mal de te... Mais là maintenant, on est sur un actif qui a été approuvé par le gendarme mondial de la bourse. Donc, c'est pas rien, tu vois. Et au niveau des chiffres, moi, je trouve ça hallucinant. Je te rappelle, l'or, ça a une quantité infinie. Ok, c'est rare, mais on ne sait pas combien il y a d'or sur Terre. Alors que Bitcoin, on sait qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin. En enlevant ceux qui sont perdus, en gros, on va se becter 19 millions à tout péter de Bitcoin. Et là, eh bien, t'as les plus gros investisseurs du monde qui, à partir de 2024, vont pouvoir en toute légalité investir sur Bitcoin. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant 2024. Tu commences à voir un petit peu où je veux t'emmener. Maintenant, ça tombe en plus l'année, coïncidence ou pas coïncidence, ça tu te feras ton propre avis, ça tombe l'année du halving du Bitcoin. Je te rappelle, le halving c'est tous les 4 ans et ça divise par 2 la quantité que les mineurs reçoivent à chaque bloc.
Donc en gros, ça te divise l'inflation et ça augmente la rareté sur BTC. Et là, il y a un chiffre que j'ai vu qui m'a fait virer la tête. La semaine dernière, les ETF de BlackRock ont acheté pour 11 291 bitcoins. Sur la même semaine, les mineurs ont miné seulement 2 250 bitcoins. Est-ce que tu t'imagines le gap et le choc de liquidité qui nous attend dans les mois à venir? Donc là, tu es peut-être en train de te dire « Oh, le mec, il est un peu trop chaud, je vais lui calmer ses ardeurs. Regarde là, il y a MT Gox qui va rembourser les bitcoins aux gens, le marché va s'effondrer. » Oui, et alors? Bah écoute, j'ai envie de te dire, ils les ont les bitcoins aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo. Et personnellement, est-ce que... Alors oui, il y a eu un impact parce que les gens, t'es, ils se sont cagués. Eh oui, t'es, les gens, ils sont... Le bitcoin va tomber à zéro. Oh, vos gueules! À un moment donné, ça fait 14 piges qu'on me dit que le bordel, il va tomber à zéro. On est encore à 60 000 balles. Et ça fait que croître avec les années. Mais regarde, la MT Gox, et ben voilà, ça y est, les bitcoins, dans deux mois, on n'en parle plus, c'est plié, tout le monde aura reçu ses bitcoins. On n'a même pas encore eu les afflux massifs et le choc de liquidité qui va arriver. Alors pourquoi je te dis que ça va arriver? Le bitcoin, depuis 2022, il a fait un 400% de croissance dans une macroéconomie dégueulasse. Là, je vais te parler un peu technique. Ouais, parce qu'il faut parler un peu technique. Un actif risqué, c'est toujours corrélé quelque part à la macroéconomie. Si tu as une économie qui est florissante, si tu as une économie qui imprime de l'argent à gogo, et ben forcément, les actifs, ils montent parce que les gens n'ont pas peur d'investir. Aujourd'hui, on est dans une économie qui est claquée. On a les taux des banques centrales qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc, quelque part, c'est pas intéressant d'investir sur Bitcoin puisque en gardant du cash, en gardant des dollars dans ton compte en banque, en ayant des dollars investis sur des bons du trésor américain, etc., et bien, tu gagnes beaucoup d'argent puisque les taux sont élevés. Et là, on arrive à la fin de ce cycle. La Fed va bientôt pivoter. Nom de Zeus! Et historiquement, quand la Fed pivote, là, t'as compris que ça commence à secouer les marchés. Généralement, on a le Nasdaq, le S&P 500 qui se pète la gueule, le dollar qui part à la cave, et qu'est-ce qui se passe? Comment tu penses que ces gens-là, eh bien, ils vont faire de l'argent derrière? Ils ont une autoroute, les mecs, grâce aux ETF Bitcoin. Et là, ça arrive! On est à quelques mois de l'échéance et les gens ne sont pas bullish. Je sais pas toi, mais moi je me fends la gueule. D'ailleurs, une autre news qui est complètement incroyable, c'est les élections américaines. On a des rebondissements de malades. Et là, on a Trump, le mec, il y a deux piges. Il était totalement opposé à Bitcoin. Il avait une narrative dégueulasse sur Bitcoin. Aujourd'hui, il a compris l'intérêt, le mec. C'est un businessman, tu vois. Et là, il est pro-Bitcoin aujourd'hui. Il y a eu une conférence BTC il n'y a pas longtemps qui a eu lieu. Il t'a balancé une liste de mesures qu'il voulait mettre en application s'il était élu. C'est insane. Alors ouais, je sais ce que tu vas me dire. C'est un politicard. Le mec, il va pas faire 10% de ce qu'il dit. Mais on s'en fout. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. C'est que la vision de Bitcoin dans le monde est en train de changer. Les mecs, ils sont tous en train de retourner leur veste. Et je te rappelle, c'est l'actif le plus rare de la planète. Regarde, je te prends un autre exemple. T'as le Qatar qui avait complètement interdit le trading sur Bitcoin, qui là, les mecs qui viennent de t'annoncer, finalement, on fait marche arrière et on va mettre en place des règles dès 2024 pour pouvoir utiliser Bitcoin, tu vois. Les mecs, ils sont tous en train de FOMO. Tous les pays, les institutions, etc., ils essayent tous de se dépêcher de venir grappiller une part du gâteau. Avec la faible liquidité de Bitcoin et sa faible capitalisation, mais tu crois que ça va nous emmener où? À 65 000? Pour moi, on va partir sur un cycle haussier d'ici cet automne, mais comme on n'a jamais eu sur Bitcoin. Franchement, je me marre et tu me connais. Bah oui, forcément. Moi, j'aime bien taquiner un petit peu, mais on a vraiment... Une inversion totale des mentalités au sujet de Bitcoin. Et donc, voilà, là, franchement, déjà, t'as vu tous ces éléments que je t'ai donnés. Comment tu veux pas que je sois bullish? Et j'espère que toi aussi, tu es bullish. Et c'est pour ça que dans la vidéo que je t'ai parlé au début, moi, je suis extrêmement investi sur Bitcoin. Je continue mon DCA. Clairement, ma stratégie, elle est d'accumuler du Bitcoin pendant les 10 prochaines années. Parce que je pense, il y a une partie de moi qui pense qu'on peut partir avec tous ces éléments sur un super cycle. Alors, on va pas aller en ligne droite à 1 million de dollars, tu vois le délire.
il y aura toujours des phases un petit peu de retracement où ça va recharger, ensuite on va repartir un peu à la hausse. Peu importe quand est-ce que tu commences à investir sur Bitcoin, si on connaît un marché haussier de plus de 10 ans grâce notamment à ces ETF, ben quelque part j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on attend? Ben moi j'attends pas. Ah non, moi j'ai pas attendu. Y'a ceux qui rachent et y'a ceux qui dansent. Y'a ceux qui rachent et y'a ceux qui dansent. Bref, j'espère que t'as compris vraiment ma position sur Bitcoin. Je suis vraiment ultra impatient, ultra bullish des mois et des années qui arrivent. Parce que ce marché, je pense qu'il a vraiment pas fini de nous surprendre. En tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, comme d'habitude, tu penses à liker, partager, abonne-toi, rejoins-moi sur les réseaux. Et en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!